Bonjour à tout le monde. Vous êtes pour le moment assez peu nombreux, mais je pense qu'on sera de toute façon assez peu nombreux. Donc, je vous propose de démarrer, de commencer. Puis des personnes qui arriveront prendront l'intervention en cours. Donc, merci à vous d'être présents. Je suis accompagné de ma collègue Laetitia, assistante de Master Mandy, qui va prendre les questions que vous pourrez poser par chat et qui me les donnera ensuite pour que je puisse apporter des réponses, en espérant que j'aurai les réponses à vos questions. Et donc, n'hésitez pas à poser ces questions via le chat et si possible, laissez vos micros fermés pendant la présentation pour éviter tous les bruits de base. Donc, le webinaire est enregistré et il sera ensuite disponible pour les adhérents de Bemastin. Donc, la thématique de ce webinaire, c'est le marché du chauffage domestique au bois des années 80 à aujourd'hui. Donc ce webinaire en fait, est tiré d'un cahier du bois énergie qui a été réalisé il y a déjà quelques temps de ça. Je n'ai plus comme ça la date exacte, mais ça doit faire 2 ans. Donc le cahier du bois énergie numéro 81, que vous pouvez aussi trouver donc, en tant qu'adhérent de Biomaster en vous. Vous avez aussi accès à ce cahier. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez nous le demander pour vous le procurer. Donc, la présentation d'aujourd'hui va être une sorte de résumé, de condensé de ce qu'est l'énergie. Donc, plus d'éléments seront bien évidemment disponibles dans ce cahier. Et ce webinaire se tient dans le cadre de l'animation pour un bois énergie 2021-2022, qui est donc un programme animé par Biomasse Normandie, avec un financement de la part de l'ADEME, de la région Normandie et du Donc, la présentation va comprendre deux grandes parties, une consacrée aux équipements de chauffage au bois, qui est la plus importante en termes de contenu, et une deuxième partie qui sera liée aux consommations de combustible bois, et en particulier aux consommations de bûches, parce que c'est quand même le combustible majoritaire aujourd'hui, donc c'est quand même le gros du. Comment dire, les explications des évolutions sur les bûches sont des éléments qui sont intéressants, car très impactants sur le volume total de bois consommé. Donc, sur la partie liée aux équipements, 3 points. Le premier sur les ventes, l'évolution des ventes donc depuis 1985 jusqu'à aujourd'hui. En fait, ces ventes sont connues grâce à des études qui sont financées par l'ADEME, réalisées par différents partenaires. Par différents prestataires, pardon. Et au début, il n'y avait pas d'études tous les ans. Depuis 2001, en fait, l'étude est annuelle, ce qui fait que ça permet d'avoir des variations, des connaissances, des évolutions beaucoup plus fines. Donc, ces études sont à la base de l'évolution des ventes dont je vous parle. L'évolution du parc ensuite, donc là, le parc en fonctionnement, des équipements en fonctionnement, là aussi, sur la base d'études réalisées depuis 1984, alors soit des études réalisées par le CEREN, soit des études réalisées pour le compte de l'ADEME par différents prestataires, et notamment Biomasse Normandie, en collaboration avec Solagro et BDA pour les études de 2012 et 2017. Et enfin, une comparaison entre les ventes et le parc, qui est un embryon, on va dire, de réflexion. La réflexion mériterait certainement d'être continuée. Néanmoins, c'est dans le cadre de ce cahier que cette comparaison a été faite, à mon sens, pour la première fois. Et il y a quand même quelques enseignements qui semblent intéressants, bien que parfois un peu surprenants, surtout dans leur ampleur. On pourra en reparler. Je vous propose d'attaquer sur les équipements avec l'évolution des ventes d'appareils donc de chauffage au bois. La première chose que l'on peut essayer de voir, c'est d'essayer de corréler le volume total des ventes d'équipements à des paramètres, un certain nombre de paramètres qui pourraient expliquer l'évolution que l'on observe année après année. Et il me semble que le prix des énergies fossiles soit quand même un élément qui très déterminant dans l'évolution de ces ventes. Et
Tout à l'heure, je vais vous montrer un graphique qui va le rendre visuel. Mais si on prend comme référence l'année 99, ça apparaît assez clairement, au moins au départ. Enfin, c'est-à-dire jusqu'en 99 et après 99 jusqu'en 2008 à peu près. Le lien est assez évident entre les deux. Donc avec les chocs pétroliers de 73-79 et le contre-choc pétrolier de 86 qui a eu pour effet de faire diminuer ensuite donc les achats de l'équipement de chauffage au bois et dont la répercussion a eu lieu jusqu'au milieu fin des années 90. Et après 99 avec le choc pétrolier rampant de 2000 à 2010 et le contre-choc pétrolier de 2014. Le seul élément qui semble impacter et pouvoir avoir rendu visuel du moins un décalage, c'est la crise économique de 2008, qui peut rivaliser donc avec la crise d'énergie fossile, et toutes les mesures qui ont pu être mises en place par les pouvoirs publics pour favoriser le chauffage domestique au bois sont difficilement remarquables, en fin de compte, sauf peut-être sur le début, parce que c'est quand même, il y a quand même un gros saut qui accompagne d'ailleurs l'augmentation du prix des énergies fossiles en 2005-2006. Donc voici de manière illustrée ce que je viens de dire. Alors vous avez en vert les ventes d'équipements. Vous voyez qu'on n'a que quelques infos ponctuelles avant 2001. Et depuis 2001, il y a toutes les années qui sont connues, qui sont entrées. Le prix des énergies fossiles, ce sont les autres courbes. Alors, il y a une courbe, les courbes en pointillé en bleu, c'est le prix du gaz naturel pour les ménages, et en rouge, pointillé toujours, c'est le prix du fuel domestique, toujours pour les ménages. Et en plein jaune orangé, c'est un mixte entre les deux prix, un mixte qui correspond à deux tiers fuel domestique, un tiers gaz naturel. On n'a pas vraiment la connaissance exacte là-dessus, mais on peut supposer que ceux qui utilisent le bois sont plus souvent en lien avec le fuel domestique qu'avec le gaz naturel. Puis ça peut varier selon la période, mais le parti pris a été fait de mettre donc un mixte de deux tiers fuel domestique, un tiers gaz naturel pour regarder ce prix. Donc quand on voit l'évolution de ce prix, eh bien on voit que c'est très fortement corrélé. Donc déjà avant 1999, on voit que les ventes d'équipements qui avaient été importantes en fait sont en chute libre. Mais alors c'est, comment dire, la corrélation, elle est quand même, l'impact il est énorme par rapport à la variation du prix des énergies fossiles. Mais néanmoins, il faut quand même bien voir que il y a eu un impact au moins économique, mais même aussi psychologique avec ces chocs pétroliers début et fin des années 70. Ce qui fait qu'il y a eu beaucoup d'équipements à être achetés, d'équipements bois à être achetés. Et lorsqu'il y a eu le contre-choc pétrolier, les prix sont redescendus et sont restés assez durablement bas. Et donc, du coup, il y a eu une forte redescente également. Depuis 1999, donc cette remontée, elle est assez visible. Et comme je vous disais, entre 2008, à partir de 2008, en fait, il y a une décorrélation. C'est-à-dire que l'interprétation comme ça laisse penser que la crise économique de 2008 a eu des effets un peu durables sur les investissements des ménages en matière d'équipement au bois, et donc ils n'ont pas investi tout de suite dès qu'il y a eu la remontée du prix du pétrole en 2010-2011-2012, et ça a plutôt pris du retard pour cette augmentation. Par contre, la chute après le contre-choc pétrolier de 2014, hein, la chute elle est visible, prévisible, et la baisse d'achat d'équipement est assez parallèle avec l'évolution de la courbe des prix des énergies fossiles. La remontée du prix des énergies fossiles, donc à partir de 2017-2019, n'entraîne pas de forte augmentation de vente des équipements. On va voir peut-être qu'il y a un élément d'explication tout à l'heure dans le cadre de la comparaison entre le parc et les ventes. Néanmoins, la redescente en 2020, alors, qui est liée à la situation sanitaire, hein, donc le prix des énergies fossiles est aussi lié à ça. Je dirais que c'est un mix entre les deux, mais ça reste corrélé à priori. Donc ça, c'est un premier enseignement, que les ventes sont a priori fortement corrélées au prix des énergies fossiles. Si maintenant on regarde un petit peu plus en détail le type d'équipement et l'évolution de ces équipements, on voit qu'il y a environ 13,5 millions d'équipements bois qui se sont vendus depuis 1985, ce qui est un assez important. Majorité, on va en reparler de toute manière, des poêles et des foyers fermés, quasi à égalité,
Et puis après, c'est 14% d'insert et 9% culinaire. Si on reste sur cette approche globale, par contre, on passe à côté d'un certain nombre d'informations, notamment une très forte évolution de comportement dans les achats d'équipements, qui peut être illustrée assez simplement, par exemple, avec de prendre juste pour hypothèse qu'on coupe la période considérée en deux, 18 années chacune, et on voit que bon, il y a à peu près le même nombre d'équipements, enfin 6 et 7,5 millions d'équipements, et c'est surtout la proportion des foyers fermés qui est importante. Entre 1985 et 2002, par exemple, 48% de foyers fermés, seulement 20% de poêles. Alors, ça s'inverse complètement entre 2003 et 2020, avec 28% de foyers fermés seulement et 56% de poêles. Donc, en fin de compte, il faut vraiment regarder d'une manière plus fine pour essayer de comprendre ce qui se passe. Donc, sur ce graphique, vous avez l'évolution des ventes. Donc, le total, c'est le même que ce qui était mentionné tout à l'heure sur le premier graphique. À ceci près, sur le premier graphique, c'est pouvoir comparer en fin de compte les prix et les prix d'énergie fossile et les ventes d'équipements. Mais l'évolution, en fait, c'est bien correspondre à l'ensemble de ces ventes d'équipements année après année. Et vous avez donc le détail. Et donc, ce qui apparaît, ce que je vous disais, ça apparaît assez clairement avec les foyers fermés, les inserts qui sont en bleu et les poêles, soit bûches ou granulés, qui sont donc en orange et en jaune. Donc, on voit bien que la première partie, la partie gauche du graphique, c'est largement dominée par les foyers fermés et les inserts, alors que la partie droite est dominée par les poêles. Donc là, on a une vision assez claire. Et sur la partie cuisinière et chaudière, on peut quand même considérer qu'il y avait beaucoup de chaudières et cuisinières, surtout des cuisinières, en fin de compte, dans les années 80. Mais depuis, ça reste relativement marginal. Et on va voir un peu plus en détail aussi. Donc, les mêmes volumes représentés différemment, c'est-à-dire qu'au lieu de les considérer les uns sur les autres, ils peuvent être comparés les uns aux autres maintenant, puisqu'ils sont tous en base, enfin, ils sont tous liés en zéro. Enfin, donc, on voit vraiment le poids des uns par rapport aux autres ici. Et ce qui apparaît assez clairement, là encore, c'est la présence des foyers fermés, en fin de compte, jusqu'en 2006. En fin de compte, il y a pas mal quand même de ventes de foyers fermés jusqu'en 2006. Et ensuite, c'est la dégringolade, à tel point qu'il y a même aujourd'hui, en 2020, moins de foyers fermés vendus que d'inserts. Et ça, quasiment autant de chaudières que d'inserts, de foyers fermés, pardon. Donc, ça montre vraiment une évolution très, très forte. Et sur les poêles, on voit également, donc, à partir des années 2000, et plus particulièrement au milieu des années 2000, plutôt 2005, une très forte augmentation des poêles à bûches, suivie plutôt vers 2010-12, une très forte augmentation des poêles à granulés, ce qui fait qu'aujourd'hui, le nombre de poêles à granulés vendues est équivalent, enfin, légèrement supérieur à celui des poêles à bûches. Et on voit en violet aussi la forte baisse des cuisinières, des ventes de cuisinières, surtout avant 90, 95, mais surtout. Donc, tout ça montre qu'il y a quand même deux phénomènes d'inversion qui se sont passés, donc en lien avec les poêles fermées et les poêles. Et l'année charnière que l'on peut voir, c'est à nouveau 1990. Donc avant, c'est l'essor fulgurant des foyers fermés, sachant que on peut mesurer l'ampleur, en fin de compte, quand on sait que ces foyers ont vu le jour dans les années 70, en réponse en fait, au choc pétrolier, pour avoir une utilisation du bois qui pouvait être plus performante que les foyers fermés, et peut-être simplement que les foyers ouverts, et certainement que les poêles qui pouvaient exister déjà sur le marché, et pouvoir pénétrer dans les maisons, en fin de compte, des particuliers, parce que aussi c'est esthétique, non seulement plus performant, mais aussi esthétique avec le foyer fermé. Et donc, une dizaine d'années après leur lancement, les foyers fermés représentaient en fait plus du tiers du marché des équipements chauffage au bois. Et ça s'est poursuivi, puisque jusqu'en 1999, c'est là leur proportion dans les ventes accumulée à ce moment-là à 65%. Ce qui constitue une exception française, parce qu'il n'y a pas d'autres pays qui a vu se développer autant le foyer fermé. Après 1999, on voit que c'est le renouveau des poêles. Alors, je dis renouveau parce qu'ils avaient existé déjà effectivement dans les années 80 et probablement avant, mais là c'est vraiment un renouveau puisqu'ils avaient
était fortement abaissé, en fait, puisqu'il passe entre 1999 à 2020 de 20% de la part du marché à 75% de la part du marché. Alors que Flux fermé passe de 65% à 8%. Donc c'est assez impressionnant l'inversion de la tendance. Et en plus, sur les poêles, donc, entre 2010 et 2012, il y a également l'arrivée des poêles à granulés et donc d'utilisation d'un combustible différent qui apporte plus de confort, qui est plus simple d'utilisation, mais aussi avec un équipement qui peut être programmable. Et donc, ça permet quand même d'apporter un confort qui est visiblement apprécié et qui amène une augmentation très importante, exponentielle en fait, de vente des équipements, des poêles à granulés en l'espace d'une dizaine d'années. À noter également que ces granulés sont aussi plébiscités pour les chaudières, puisque désormais le marché des chaudières, donc, qui est assez conséquent maintenant en 2019-2020, alors certainement lié au coup de pouce qui a été mis en œuvre par les pouvoirs publics pour remplacer les chauffages les chaudières fioul notamment. Donc il y a plus de 14 000 chaudières granulées vendues par an. C'est-à-dire plus de 80% du marché sur 2019-2020. Et un autre élément, les inserts, qui sont classiquement considérés de manière comment dire, amalgamés avec les foyers fermés, par les foyers fermés et les inserts. En fin de compte, les inserts ont une dynamique qui leur est propre, en fait. Les foyers fermés, on a bien vu qu'ils avaient occupé une grande part du marché et qui, depuis, ont eu une forte dégringolade, en fait, depuis 1999. Les inserts, par contre, sont restés. Alors, bon, il y a eu une chute, effectivement, entre 1995 et 1999, mais depuis, ils restent à ce niveau-là, au niveau des 10%, de 10% de part de marché. Il y a donc fort à parier que ce sont des cheminées foyers ouverts qui, du coup, se transforment par ajout d'un insert. Et que ça permet aux ménages qui ont ces foyers ouverts de garder l'esthétique, l'aspect esthétique, tout en augmentant la qualité du chauffage. Voici, d'un point de vue graphique, ce que je vous disais. Donc, en bleu foncé, les foyers fermés. Donc là, on voit très clairement le pic et puis la chute, l'augmentation du pic, la chute. En orange foncé, les poêles à bûche, donc avec une sorte de stabilité jusqu'en 1999, une augmentation en niveau part de marché. Là, ce sont des parts de marché. C'est ramené en pourcentage sur l'ensemble des équipements vendus. Et ces poêles à bûche ont représenté, ont eu leur moment, entre guillemets, de gloire vers 2010, 12 ans. Et depuis, ils diminuent. Ils diminuent à cause de la concurrence des poêles à granulés en termes de nombre, enfin de parts de marché. Et vous voyez donc en jaune la part des granulés qui augmente très fortement depuis 2010 jusqu'à atteindre 40% aujourd'hui de part de marché sur les équipements bois. Voici pour les ventes des équipements. On va passer maintenant au parc. Donc, ce qui est les ventes, en fin de compte, c'est tous les ans ce qui est vendu et installé en fin de compte chez les particuliers. Le parc, ce sont les équipements qui sont utilisés. Et donc, en l'occurrence, dans les études qui ont été faites, ce sont les équipements qui ont été utilisés lors de l'hiver précédent, de l'année précédente, précédant l'enquête qui a été réalisée. Il faut bien avoir en tête que le parc en question, c'est bien un parc en fonctionnement. Les questions qui ont été posées à chaque fois, c'était sur l'utilisation des équipements bois. C'est-à-dire qu'un équipement peut être installé enfin chez un ménage, mais s'il n'est pas utilisé, il n'est pas recensé dans le cadre de ce parc. C'est bien un parc en fonctionnement. Donc, ce parc, bien évidemment, en 30 ans, il a varié, puisqu'on a vu que les ventes avaient fortement varié. Donc, il va falloir parier également que la composition du parc a varié elle aussi de manière assez sensible, même si ce n'est pas forcément aussi rapide, puisque les ventes, ça peut varier assez facilement d'une année sur l'autre. Maintenant, un équipement qui est installé, il a quand même une certaine durée de vie. Donc, il y a une inertie qui est présente. Donc, il y a une évolution qui va se faire moins rapide que celle qu'on peut constater sur les ventes, mais néanmoins, on voit bien l'impact. Je vais vous le montrer tout à l'heure. L'impact des ventes, des différences, des changements de comportement à la vente sur la compétition du.
Sur ce parc en fonctionnement, il y a quand même deux types d'équipements qui sont à considérer. Les foyers ouverts et les autres équipements. Enfin, compte, les autres équipements, donc, tout ce qui est foyer fermé, insert, poêle, chaudière, cuisinière, sont des équipements qui nécessitent un achat, un investissement, et qui, dès lors, entraînent comme ça, sont liés à une réflexion sur le mode de chauffage. Donc, c'est quelque chose qui est fait, non pas juste parce qu'on a, tiens, ce serait bien d'avoir un poêle. Non, il y a quand même un investissement qui est derrière. Donc, le fait d'investir va amener probablement une utilisation plus importante que s'il n'y a pas à investir, par exemple, comme c'est dans le cas des foyers fermés. Les foyers fermés, bien souvent, sont là, sont déjà présents au sein de la maison. Et l'utilisation du foyer fermé, ça peut être très ponctuel. Ça peut être, oh, tiens, cet hiver, il fait un peu froid là, dans la pièce, du coup, plutôt d'augmenter le chauffage au fioul, en utilisant plus de fioul parce qu'il est cher, je vais me faire une petite flambée de temps en temps dans la pièce de vie et ça va être suffisant. Pour autant, ce foyer fermé, il n'est pas forcément utilisé tous les ans. Et donc, comment dire, les enquêtes pour estimer le parc recensent les foyers fermés au même titre que les autres équipements. Tout en sachant que les foyers fermés sont peut-être d'un usage plus volatile, on pourrait dire. Donc l'analyse, elle est quand même menée de manière différenciée en ayant en tête les équipements avec investissement et les équipements foyers ouverts. Donc sur ce graphique, vous voyez donc le parc en millions d'équipements, millions de résidences principales qui utilisent le bois pour se chauffer. Alors, dans le titre, enfin, elles utilisent le bois pour se chauffer, c'est-à-dire chauffage à titre principal, c'est-à-dire que c'est le bois qui représente la majeure partie de la quantité d'énergie consommée pour chauffer le logement, mais ça peut être aussi un chauffage d'appoint, soit d'appoint régulier, soit d'appoint exceptionnel, mais ça peut être aussi l'usage agrément, loisir, la flambée dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, en grisé, vous avez les foyers ouverts. Et après, en coloré, les autres équipements, j'ai essayé de garder les mêmes codes couleurs, c'est-à-dire en bleu, ce sont les foyers fermés, en orange, on sait, ce sont les poêles à bûches, et en orangé, plutôt jaune, ce sont les poêles à granulés, et puis les cuisinières et chaudières qui constituent le restant. Donc, si on regarde, en fin de compte, le sommet des courbes bleues, enfin, l'interface entre le bleu et le violet, on peut constater une évolution à la hausse entre 84 et 92 en fait, du parc d'équipements en fonctionnement, une stabilisation jusqu'en 96. Alors, séparer des années, ce n'est pas forcément les bonnes années, ce sont les années liées aux années des enquêtes. Alors, peut-être que ce n'est pas 96, mais 97, qu'on a commencé par exemple à avoir une diminution jusqu'en 2001. Donc là, ça donne plutôt les grandes tendances plutôt que les dates charnières exactes. Donc, il y a quand même une augmentation jusqu'en 92, une stagnation jusqu'en 96, une légère baisse en 2001, une légère hausse en 2006, et après, là, une hausse beaucoup plus importante en 2012 et une diminution assez faible entre 2012 et 2017, toujours si on regarde bien l'interface entre le bleu et le gris. C'est-à-dire si on raisonne hors foyer ouvert. Donc, on voit bien que globalement, le parc des équipements hors foyer ouvert est bien en augmentation depuis 1984. Si on intègre par contre les foyers ouverts et qu'on regarde le total véritablement, là on voit une évolution qui peut être différente, mais qui est à mon sens biaisée si on se contente juste de cette analyse du total, parce qu'en fin de compte, on voit une augmentation très forte de 84 à 92 et une diminution de 92 jusqu'en 2001-2006, puis une augmentation importante à nouveau en 2012 et une diminution qui est pas négligeable entre 2012 et 2017. L'inconvénient, c'est que quand on raisonne comme ça juste d'un point de vue global, on n'a pas, enfin, comment dire, on passe à côté de l'utilisation ponctuelle que peut représenter le foyer ouvert. Et notamment donc, quelque chose qui peut être plus lié, par exemple, cette année, le fioul est cher, donc j'utilise mon foyer ouvert, plus je l'utilise déjà, et je peux l'utiliser potentiellement peut-être plus, parce que justement le prix d'énergie fossile est important, est élevé, mais pour autant, ça ne m'incite pas ce prix à faire l'investissement dans un autre équipement. Et donc, j'utilise juste un foyer fermé, mais l'année prochaine, si le prix du fioul redescend, ben, je n'utiliserai plus mon foyer fermé. Donc, en fin de compte, c'est comme je vous le disais, une utilisation qui est assez volatile, et c'est difficile et délicat d'asseoir
l'analyse sur ce, comment dire, sur ce nombre. Juste pour info, quand même, les objectifs de consommation de bois de la programmation pluriannuelle de l'énergie, donc en matière de chauffage domestique au bois, ça vise une augmentation, enfin une stabilisation de la consommation de bois, mais une augmentation du nombre de ménages utilisateurs. Et le nombre de ménages utilisateurs de base qui a été fixé, c'est celui qui était en 2012, donc c'est-à-dire autour de ce 7,4 millions de ménages utilisateurs, en sachant que derrière, déjà dès 2017, en 2017, on peut voir qu'il est nettement moindre. Alors qu'au final, si on regarde les équipements qui nécessitent réellement un investissement, c'est une quasi-stabilité, on peut dire. Donc c'est aussi attention sur les objectifs qui sont fixés, qui peuvent être fixés sur des choses qui ne sont pas si solides que ça. Donc voilà, c'est le détail un peu de ce que je viens de vous dire. Juste entre 2012 et 2017, si on raisonne par foyer ouvert, la diminution du nombre d'équipements n'est que de 150 000 équipements. On verra tout à l'heure que ça cache quand même des choses qui peuvent être assez importantes. Et le même graphique que tout à l'heure, sauf qu'au lieu d'être en volume global de ménages utilisateurs, c'est en volume volatile, donc la part des ménages qui utilisent tel équipement, le 100% étant le nombre d'équipements hors foyer ouvert. Toujours dans ce même état d'esprit de faire le distinguo entre les deux pour mener une analyse un peu différenciée. Donc si on se cantonne à ce qui est en dessous des 100%, donc les histoires incolorées, on voit bien qu'il y a une augmentation très importante du poids des foyers fermés dans le cadre, dans le parc, des équipements, jusqu'en 2006, à peu près, dans l'entour de 2006. Et depuis, ce sont les poids qui croissent assez fortement en termes de poids des équipements installés dans le parc en fonctionnement. Si on regarde les foyers ouverts, on rend compte que depuis le début, ils sont en diminution constante au regard du nombre d'équipements hors foyer ouvert, du total du nombre d'équipements hors foyer ouvert, donc si on ramène sur le 100%. Le 63% de foyers ouverts comparé au total des équipements hors foyer ouvert en 84, ça passe à 14% en 2017. Donc ça, je pense que c'est aussi un élément qui est très intéressant à regarder, c'est-à-dire que l'utilisation en nombre de foyers fermés peut être fluctuant, mais en termes de part, elle est quand même assez fortement orientée à la baisse. Et donc, c'est plutôt un bon signal pour notamment la qualité de l'air, puisque les foyers ouverts sont quand même les équipements les moins performants en termes de chauffage, mais aussi les plus émetteurs de particules. Donc, on arrive maintenant à la phase de comparaison entre les ventes et le parc. Et c'est aussi quelque chose qui est très intéressant à regarder. Parce que je pense que ce n'est pas quelque chose qui est fait très classiquement, puisque les conclusions auxquelles j'ai pu arriver lors de la rédaction de ce cahier de bois énergie ont interpellé quelques personnes quand même. Je ne dis pas que c'est forcément juste, mais a priori avec les chiffres à notre disposition au niveau des ventes et du parc, ça amène à des conclusions que je vous présentais. Ils sont interpellantes, mais qui nécessiteraient d'être creusées pour valider déjà un certain nombre d'hypothèses et ensuite pour expliquer, pour mieux connaître un peu le comportement des utilisateurs. Il y a deux éléments qui sont à regarder, c'est que le comportement de l'utilisateur, ça n'aura pas le même impact dans les parcs, en fait, dans le bilan lié au parc. C'est-à-dire qu'un utilisateur peut, par exemple, acheter un équipement, il peut y avoir un achat, donc ça va être référencé dans les ventes, un achat d'équipement, mais cet équipement peut être utilisé pour remplacer un équipement déjà existant ou pour permettre de chauffer une maison qui n'avait pas d'équipement au bois. Donc là, l'impact sur les ventes dans les deux cas, première installation ou renouvellement d'un équipement, dès lors qu'il y a un achat d'équipement, il va être compté en plus 1, par exemple, dans les ventes. Mais au niveau du parc, si c'est lié à un renouvellement, il n'y aura pas de modification du parc à cause de cet achat d'équipement. Par contre, si c'est une première installation, le parc va faire aussi lui un bond de plus 1. Et il y a également donc, des choses qui ne se voient pas dans les ventes, mais qui ont des répercussions dans le parc,
puisque les équipements existants, donc déjà en place, en fait, il peut y avoir d'une année sur l'autre la poursuite de l'utilisation de cet équipement. Donc là, il n'y a pas d'impact sur le parc. On continue, donc ça fait la même chose d'une année sur l'autre. Une année donnée, il peut très bien y avoir une non-utilisation de cet équipement. Donc l'année dernière, je l'ai utilisé, cette année, je ne l'utilise pas. Donc dans le parc, ça fait moins 1. Un abandon, donc avec dépose de l'appareil, donc là, de la même manière, cette année, je n'utilise pas parce que je le dépose, donc ça fait moins 1 sur le parc, mais ça fera moins 1 parce que je ne pourrai pas le réutiliser derrière. Alors que par contre, celui que je n'ai pas utilisé cette année, que j'avais utilisé l'année dernière, que je n'ai pas utilisé cette année, je peux très bien le réutiliser l'année prochaine. Donc, dans le parc, je l'ai utilisé l'année dernière, je ne l'utilise pas cette année, ça fait moins 1, et je le réutilise l'année prochaine, ça fait plus 1. Donc, il y a des évolutions qui sont de ce genre-là dans le parc, et donc en lien avec les ventes ou pas. Donc, c'est toute cette articulation qui est intéressante à regarder. Néanmoins, ça oblige à poser un certain nombre d'hypothèses, notamment sur les ventes d'équipements, savoir quelle est la part des ventes qui correspondent à un renouvellement d'équipement, en sachant que cet impact-là sera nul sur le parc et que donc les autres ventes auront un impact positif, enfin, il y aurait plus un sur le parc par équipement vendu, dès lors que si ce n'est pas un renouvellement, c'est une première installation. Donc, ce sont ces hypothèses-là qui pourraient être discutées également. Alors, je ne vais pas vous les présenter dans le détail, vous les retrouverez dans les WNJ. Et une fois qu'on a fait cette première série d'hypothèses sur les ventes, donc on a le nombre d'équipements en fait en renouvellement et en première installation, par différence avec le reste du parc, on peut voir le nombre d'arrêts. Alors je parle effectivement d'arrêts nets d'utilisation. Alors ce sont des arrêts, il se pourrait que ça puisse être autre chose que les arrêts, mais au contraire des remises en route nettes, hein, des mises en route, enfin, des utilisations nettes. Hein. Mais là, il se trouve qu'à chaque fois, sur toutes les périodes, la différence amène à un nombre d'arrêts nets d'utilisation qui est positif, donc plus d'arrêts que de réutilisation. Donc c'est le solde entre le nombre d'appareils qui est non utilisé et déposé et le nombre d'équipements qui est remis en service, ce nombre d'arrêts nets. Et quand on regarde ce que ça donne donc, sur les périodes, les périodes correspondant en fait aux différentes, comment dire, c'est les 84, 88, 92, 16, 2001, 2006, 2012, 2017, ce sont les périodes pour lesquelles on a une enquête liée au parc. Et donc, c'est basé avec une analyse qui est derrière sur les ventes qui portent, donc l'écart entre les deux années en termes de parc et puis sur le cumul des ventes entre les années concernées. Que l'on voit, en fin de compte, c'est une évolution assez sensible selon la période du nombre d'arrêts d'équipements utilisés. Si on regarde 84-88, par exemple, il y a énormément, il y a 330 000 arrêts nets d'équipements par an en moyenne sur cette période. Donc ça fait 5 ans, enfin, 4 ans, donc on va dire que ça fait quand même 1,5 million d'équipements qui sont arrêtés entre 84 et 88. Et qui n'ont pas été compensés par les ventes. Parce que là, c'est l'arrêt net. Donc c'est-à-dire que c'est bien que c'est ce qu'on constate. Comment dire, le parc a augmenté entre 84 et 88 grâce à des ventes qui ont été plus importantes que les arrêts nets. Mais néanmoins, c'est bien 330 000 arrêts nets par an. Donc si on regarde juste l'évolution du parc, ça, on ne s'en rend pas compte si on ne compare pas avec les ventes qui sont derrière. Pourquoi il y aurait eu a priori autant d'arrêts entre 84 et 88? Eh bien, en 86, c'est le contre-choc pétrolier. Et il y a de fortes chances qu'en fait, entre 84 et 86, beaucoup de personnes, 88, en fait, qu'à partir de 86 notamment, beaucoup de personnes aient arrêté d'utiliser le chauffage au bois parce que le prix des énergies fossiles et du fuel en particulier était redevenu abordable et que c'était quand même beaucoup plus pratique d'utiliser du fuel que du bois. Donc, a priori, ça pourrait bien que ce soit ce genre de raison qui fait qu'il y a de forts abandons. Si on regarde la période suivante, 88-92, il y a très peu d'abandons nets d'équipements. C'est-à-dire qu'en gros, le contre-choc pétrolier, l'analyse qu'on pourrait en faire, c'est que le contre-choc pétrolier a fait arrêter un nombre d'équipements rapidement. Enfin, ils sont tous, entre guillemets, dans la période, ou quasi tous, dans la période 84-88. Et ensuite, eh bien, c'est juste des arrêts d'équipement voilà, qui sont liés à d'autres raisons, mais pas forcément au prix des énergies fossiles.
Le pic qu'on constate entre guillemets au milieu, 96-2001, c'est un pic qui peut s'expliquer parce que on arrive en fin de vie des équipements qui sont installés dans les années 80, notamment début des années 80, fin de vie, ou du moins ça commence à, voilà, enfin, à faire un certain nombre d'années que les équipements sont en place, et le prix du pétrole et du fuel notamment est toujours bas entre 96 et 2001. Et entre 2012 et 2017, qui est quand même la période aussi là, qui interpelle beaucoup, 2012-2017, c'était une période assez faste pour le chauffage au bois, parce que les ventes se sont bien portées, il y a eu oui, pas mal de, enfin, beaucoup de ventes en fin de compte, et cet exercice de comparaison entre le parc et les ventes amène à dire qu'il y a 260 000 abandons nets par an entre 2012 et 2017. Et c'est ce chiffre-là qui a fait réagir notamment je pense que vous parliez de tout là, parce qu'en fin de compte, ce n'est pas un chiffre qu'on voit habituellement, mais si on regarde bien le parc qui a été estimé entre 2012 et 2017, je vous disais qu'il y avait juste, si on regarde en foyer ouvert, juste 150 000 équipements en moins en 2017 par rapport à 2012. Donc si on regarde juste le parc, on se dit, oui, bon, ok, il y a le chauffage au bois, bon, il n'a pas progressé, mais en fait, bah, il se stabilise, voilà, il se conforte. Mais entre 2012 et 2017, il y a eu, alors je n'ai plus les chiffres exacts en tête, mais je crois qu'il y a plus de 2 millions d'équipements vendus, de bois vendus. Donc ça veut dire que, on va vers le 5 2000 ça veut dire qu'il y a eu énormément d'arrêts d'utilisation de ces équipements. Alors par contre, ça ne veut pas dire que ce sont des abandons d'équipements. C'est-à-dire qu'entre 2012 et 2017, il s'est passé la même chose qu'entre 1984 et 1988, il y a eu le contre-choc pétrolier de 2014. Ce peut fort bien. Que les équipements qui ont été installés, y compris même assez récemment, hein, enfin, pour un certain nombre, depuis 2001 par exemple, étaient mis à l'arrêt sans être déposés et que ben, ces équipements puissent repartir, être réutilisés lorsque le prix du pétrole va, et du fuel, du gaz va augmenter. Alors, on a vu dans le premier graphique tout à l'heure, je peux peut-être rapidement revenir dessus, sur le premier graphique que je vous ai présenté. Les ventes qui sont entre 2017, 2018 et 2019, là. Alors que le prix des énergies fossiles augmente fortement, les ventes, elles, n'augmentent pas tant que ça. Alors, une des possibilités, maintenant ça reste bien sûr à creuser, mais ce serait que, en fait, le parc, enfin, oui, il y a eu suffisamment de ventes en fait, dans les périodes d'avant pour qu'il y ait des équipements qui puissent fonctionner à ce moment-là. En 2017, on constate que, ben, il n'y a pas énormément de. Enfin, il y a eu une légère baisse au niveau du parc, mais si on faisait l'étude aujourd'hui au niveau national, peut-être qu'on se rendrait compte que le nombre d'équipements en fonctionnement, donc le parc, a peut-être fortement augmenté depuis 2017, alors que le nombre de ventes, lui, n'a pas fortement augmenté. C'est une hypothèse, hein. Je n'ai rien pour l'étayer, il n'y a pas d'étude qui a été faite pour voir le parc en 2019, enfin, le parc en fonctionnement en 2019. Néanmoins, il se peut fort bien que les équipements qui ont été, entre guillemets, abandonnés, entre 2012 et 2017, et repris du service. Ce qui fait qu'il peut y avoir une augmentation du parc sans avoir forcément une forte augmentation des ventes. Donc c'est potentiellement quelque chose qui serait à creuser, à regarder, mais ça peut être intéressant. Il se peut bien qu'il y ait le parc là qui soit reparti à la hausse en 2019, par exemple, alors que les ventes ne permettraient pas d'expliquer de manière, enfin, les ventes seules ne permettraient pas d'expliquer. Donc voilà l'explication de ce petit graphique et de la comparaison avec les équipements de chauffage. Alors, je passe sur les slides d'après, c'est le détail des explications que je viens de vous donner. Pour arriver, pour laisser peut-être un peu de place quand même aux échanges, pour arriver donc à la consommation de combustible bois et à l'évolution des consommations en particulier. Donc la consommation unitaire de bois, alors, et en particulier de bûches, enfin de bois d'une manière générale, mais de bûches, là, ce qui concerne le graphique que vous avez présenté, ça dépend d'un bon nombre de paramètres, hein, qui sont, pour la plupart, sont donc listés sur cette diapo. Mais bien évidemment, de la taille, des besoins en fait, en chauffage, donc que ce soit lié à la taille de la maison ou à son niveau d'isolation. Savoir s'il y a autre chose qui permet d'assurer le chauffage, donc si c'est un chauffage principal exclusif, par exemple pour le bois, ou si c'est un chauffage d'appoint, voire un chauffage d'appoint exceptionnel, voire un chauffage d'agrément, enfin une utilisation en agrément. Bien sûr, le type d'appareil avec le rendement associé,
Voilà, enfin, un certain nombre de choses. Et bon, la rigueur climatique de l'année considérée, bien évidemment, plus il fait chaud, plus il fait froid, il va y avoir des variations dans l'utilisation du bois. Cela dit, c'est assez difficile de savoir comment cette évolution du bois va être liée à la rigueur climatique. Parce que, par exemple, ce n'est pas parce qu'il fait plus froid cet hiver que ben, j'ai plus de temps disponible pour recharger mon équipement. Si je pars le matin travailler et que je reviens le soir, mon poêle, je vais le charger le matin éventuellement avant de partir, je vais le charger le soir en revenant. Mais entre le moment où je vais le recharger en revenant et puis le moment où je vais le boucher, je ne vais pas forcément, au global, sur la même journée type, le charger plus parce qu'il fait froid que parce qu'il fait doux, par exemple. Donc, c'est assez délicat de pouvoir voir quel est vraiment l'impact de la rigueur climatique sur la quantité de bois consommée. Il y en a une, enfin, il y a un impact, c'est sûr, il y a une incidence. Maintenant, ça va dépendre de tellement de paramètres, une incidence à la hausse ou à la baisse, qui est assez compliquée à estimer. Donc, sur le graphique que vous avez là, sont reportées donc, les consommations unitaires moyennes de bûches en stère par an à climat réel, donc en stère par an par ménage, en fait. En climat réel. Donc, la rigueur climatique n'entre pas dans l'analyse de ce graphique. Donc, ce que l'on peut remarquer, donc ça, ce sont les consommations donc, qui sont issues des études qui sont menées pour le parc en fonctionnement et dans lesquelles il est demandé aux ménages de savoir de donner quelle est la consommation de bois qu'ils ont eu cette année-là, l'année précédente. Donc on constate quand même deux choses. La première, c'est qu'il y a une diminution régulière, et vous voyez une petite courbe en pointillé qui relie quand même les 5 ou les 7 points qui sont là. Donc ça laisse penser que ça, c'est une évolution structurelle de la consommation unitaire de bûches qui est à la baisse, et qui est donc liée à plusieurs paramètres, donc, par exemple à la meilleure isolation des bâtiments, de manière générale, à la meilleure performance des équipements aussi. Donc voilà, il y a un certain nombre de paramètres qui peuvent peut-être l'expliquer. Par contre, on voit deux points qui sont au-dessus de cette courbe. Et ce qui est assez interpellant, c'est que en 84, ce point qui est au-dessus correspond à une période où le prix du fioul était élevé, les énergies fossiles étaient élevées, considérées comme telles, au moins suite au choc pétrolier. Donc, ça peut expliquer une consommation supérieure à ce qui aurait pu être si le prix du fioul, des énergies fossiles, avait été assez bas, on va dire. Parce que quand on regarde les autres points, ceux qui sont sur la courbe, on peut se rendre compte quand même qu'ils sont situés à des moments où le prix du fioul est quand même relativement bas, sauf peut-être pour 2006 et 2017. En 2006, il y a eu une augmentation, effectivement, mais comme c'était rampant quand même depuis le début des années 2000, il n'y a pas forcément eu quelque chose de très marqué sur l'impact au niveau de la consommation à climat réel. Je le rappelle, c'est toujours à climat réel. En 2017, le prix des énergies fossiles, lui, est redescendu. Alors, certes, pas au même niveau du tout que dans le début des années 2000, mais il y a quand même une forte chute entre ce qu'il était auparavant, donc sur la période de 2011-2013. Et 2017. Donc, il y a une forte chute, ce qui peut expliquer le fait que la consommation revienne à un niveau qui soit le niveau conjoncturel, alors qu'en 2012, la consommation allait au-dessus de ce niveau conjoncturel, structurel, pardon, ce niveau structurel, et donc une augmentation qui serait liée à la conjoncture, qui serait le prix des énergies fossiles, puisqu'en 2012, le prix des énergies fossiles était assez élevé et apparaissait comme tel, parce que là, c'était nettement plus flagrant qu'en 2006. Donc voilà une explication de cette évolution climat réel qui reste à discuter, mais c'est quelque chose qui apparaît plausible. Et donc là, on retrouve encore l'impact du prix des énergies fossiles, non seulement on l'avait déjà dans le cadre des ventes d'équipements, mais là, on le retrouve aussi sur la quantité de bûches consommées par ménage et par an. Et donc ce bois, en fait, le chauffage au bois serait très fortement dépendant du prix des énergies fossiles. Alors, ce n'est pas une surprise en tant que telle, mais c'est quand même intéressant de pouvoir mettre des courbes, des chiffres et de pouvoir les comparer. Et quant à la consommation totale de bois, eh bien, la voici.
Elle évolue, donc la consommation totale de bois, c'est comme je vous disais, très fortement des bûches. Donc c'est la consommation unitaire de bûches fois le nombre d'utilisateurs pour obtenir la consommation. Alors le graphique, il est en terawattheure PCI pour pouvoir comparer non seulement, enfin mettre sur le même graphique non seulement les bûches, mais également les granulés que vous voyez arriver, vous voyez sur la droite, sur les deux histogrammes, trois, enfin sur deux derniers histogrammes à droite. Donc les bûches, la consommation de bûches, effectivement, là il y a une très forte variation selon la période. Donc aux alentours de 90-95 TWh PCI entre 84 et 96, mais on descend plutôt à 65-70 2001-2006. Une remontée assez importante en 2012, mais au moment où le prix des énergies fossiles était élevé, donc où effectivement il a pu y avoir plus d'utilisateurs. C'est aussi à ce moment-là d'ailleurs qu'il y a eu un regain d'utilisation en termes de nombre, pas en termes de part de nombre de foyers ouverts, pas en termes de part de ces foyers ouverts relativement à la somme des autres équipements, mais les foyers ouverts en 2012, il y a eu un regain d'utilisation en termes de nombre. Donc ça correspond à la même période, en fin de compte, regain d'utilisation en termes de nombre, regain de consommation unitaire de bûches par ménage, et donc au global, regain aussi de toute façon de consommation, enfin de parc d'équipements utilisés, et donc au global une forte augmentation qui flirte avec ce qui était observé dans les années 80-90 en termes de consommation de bois. Et par contre en 2017, une forte diminution qui revient au niveau de 2006. En termes de consommation de bois. Par contre, avec un panorama qui change, puisque les bûches représentent désormais 90% uniquement, entre guillemets, si tu peux dire uniquement, mais les granulés représentent 10% de la consommation de combustible quand on raisonne en énergie, alors qu'ils n'ont fait leur apparition que vers la enfin, commencer à avoir un petit poids, à être présent dans les enquêtes. En 2012, ça a été repéré en 2012, mais ça a dû commencer en 2006 avec vraiment une très faible consommation de granulés. Mais ça montre bien là aussi la percée des équipements granulés. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur cette consommation globale de combustible. Et je vous laisserai découvrir, je vais arrêter là la présentation, je vous laisserai découvrir ce qui était après, c'était le zoom sur la consommation de bûches en 2017. Je vous laisserai découvrir ça, c'est surtout des graphiques. C'est plus pour la titre d'illustration, pour un peu mieux appréhender ce que sont ces bûches, d'où elles viennent et comment elles sont produites, utilisées. Je vous remercie pour votre attention. J'en profite pour vous préciser le prochain webinaire qui aura lieu le 8 juin sur l'Observatoire de l'énergie, l'Observatoire régional de l'énergie et du climat de l'air normand, donc l'ORECAN. Bilan 2009-2018, en fait, avec production d'énergie renouvelable, émissions de gaz à effet de serre à polluants et consommation d'énergie. Donc voilà, ce sera mon collègue Quentin Gipard qui vous fera cette présentation. Et maintenant, donc là les questions, n'hésitez pas à poser des questions si vous souhaitez encore en poser. Laetitia vient de me donner des questions. Alors c'est Jérémy, je reviens donc sur la diapo. Sur la diapo 15, n'y a-t-il pas une erreur sur les foyers ouverts? Diapo 15, on va aller regarder. Diapo 15, si. Entre 2006 et 2012, le nombre de foyers ouverts passe de 1 à 1,3. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. A priori, il n'y a pas d'erreur. Enfin, ce sont les chiffres toujours des enquêtes qui ont été menées pour le compte de l'ADEME. Alors, soit pour le compte de l'ADEME 2012-2017, alors c'est vrai que, voilà, si je peux peut-être apporter une petite précision quand même, 2012-2017 sont les enquêtes réalisées par BVA, Biomasse Normandie, Solagro, pour le compte de l'ADEME, et les histogrammes des années d'avant, 2006 jusqu'à 1984, sont liés à des études CRN. Donc, ce n'est pas la même méthodologie, néanmoins, ce sont des données qui sont cohérentes entre elles. A priori, il n'y a pas de grosses incohérences. Alors, du moins, elles n'apparaissent pas à ce niveau-là, au niveau global. Par contre, le passage de 1 million de foyers ouverts en 2006 à 1,3 en 2012, je pense que c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en 2006, le prix des énergies fossiles vont certes monter. Si on revient aussi sur le premier graphique ici, là ici, on voit bien qu'en 2006, le prix d'énergie fossile monte, hein, mais c'est assez rampant en fait entre
entre 2000 et 2006. Par contre, en 2012, le prix est nettement plus élevé, d'autant qu'il fait suite à la forte redescente qui a été constatée à la suite de la crise, donc en 2009. Mais je pense que ça doit être cette différence de prix en valeur absolue et probablement de prix en ressenti par les ménages, c'est-à-dire que quand c'est progressif, une augmentation progressive, on ressent moins. Quand ça devient très, très brutal, là, on sent plus. Et du coup, il y a de fortes chances que le comportement varie. C'est-à-dire que là, en 2006, il pouvait y avoir qu'un million de personnes qui utilisaient un foyer ouvert, parce que bon, le prix de l'énergie, peut-être, n'était pas si élevé que ça. En 2012, par contre, ça commençait à piquer un peu au porte-monnaie. Et peut-être qu'il y a eu 300 000 utilisateurs de plus, parce que c'était peut-être justement une façon de limiter le recours à l'énergie fossile utilisée en appoint. Hein, par exemple, c'était du fioul ou du gaz. Alors, c'est vrai que j'ai beaucoup parlé du prix des énergies fossiles, assez peu du prix de l'électricité. Ce serait intéressant aussi de faire l'exercice avec le prix de l'électricité, de regarder un peu quelles sont d'aller un peu plus en détail sur les énergies utilisées en appoint. Bon, en principe, je sais pas, principalement en appoint, mais en complément de bois, pour vraiment se faire une idée un peu plus exacte. Mais néanmoins, ça colle tellement bien avec les prix des énergies fossiles qu'il y a quand même, à mon avis, une forte prédominance de ce prix de l'énergie fossile. Le prix de l'électricité, il évolue, mais je pense que c'est nettement moins brutal, nettement moins fort, dans les amplitudes qui ne sont pas dans les mêmes. Et donc, certainement, les impacts qui sont plus modérés. Mais ça resterait aussi à vérifier. Et la deuxième question de Jérémy, c'était sur la diapo 21. Donc, celle-ci. Est-ce que les estimations d'arrêt sont corrélées à la consommation de combustible, pense au volume d'affouage sur ces mêmes périodes? Donc, j'avoue que je n'ai pas fait l'exercice de corréler ça à la consommation de combustible. Ce serait intéressant de le faire, effectivement. Mais il y a beaucoup de choses à faire encore, hein, de toute manière, pour essayer de mieux comprendre ce chauffage domestique au bois. Parce qu'en fin de compte, bien souvent, on s'arrête aux chiffres des ventes et du parc, et on n'essaye pas d'aller plus loin. Et j'avoue que là, c'est dans le cadre de ce cahier du bois énergie, je suis allé un peu plus loin pour faire la comparaison entre les ventes et le parc. Par contre, je ne suis pas allé aussi loin que d'aller voir l'impact et les corrélations qu'il pourrait y avoir avec les consommations de bois associées. Ce serait intéressant. Après, il y a plein d'autres paramètres qui rentrent en ligne de compte. Parce que là, c'est les évolutions, par exemple, en global, tout type d'équipement confondu. Et ce serait intéressant de regarder équipement par équipement ce qui, en fin de compte, a pu être arrêté, abandonné, remis en service. Le problème, c'est qu'on n'a pas les infos. Mais ce serait très intéressant parce qu'en fin de compte, derrière, selon le type d'équipement, il va aussi y avoir. Alors là, c'est hors foyer ouvert. Hein. Je le précise, c'est vraiment des équipements qui peuvent être vendus, donc pas les foyers ouverts, a priori. Donc les équipements peuvent être vendus et donc la comparaison des ventes avec le parc se fait avec un parc qui est comparable et donc qui est hors foyer ouvert. Donc le volume aussi de bois consommé peut varier selon le type d'équipement. Je pense en particulier aux chaudières cuisinières qui peuvent consommer pas mal, mais qui étaient quand même assez importants en nombre dans la fin des années 80, qui sont très peu utilisées aujourd'hui. Il peut aussi y avoir des informations très intéressantes de ce côté-là. Mais oui, ce serait à faire. Donc Jérémy, non, je n'ai pas fait la corrélation. Ce serait à faire. Enfin, Vincent Gauthier qui pose la question de savoir s'il y a des chiffres sur l'amélioration de performance des équipements, les équipements labellisés flamme verte. Oui, là-dessus, alors sur l'amélioration des performances des équipements d'une manière générale, il y a effectivement des améliorations continues, je dirais, sur les performances des équipements. Il y a des études qui ont pu être menées, je pense en particulier une étude menée par Solagro en 2015, je crois, pour essayer de voir cette évolution, et notamment avec un certain nombre d'éléments liés à des ruptures, enfin, si on peut dire ça comme ça, je ne sais pas, rupture technologique, du moins avec la généralisation d'un certain nombre de façons de concevoir les équipements, soit d'équipements en particulier. Là, il faudrait revoir l'étude de Solagro 2015. Et par contre, sur les équipements labellisés flamme verte, tous les ans, donc l'enquête dont je parle, l'enquête sur les ventes qui est réalisée pour le compte de l'ADEME, alors c'est toutes ces dernières années, c'est Observer qui le fait, il y a
comment dire, de mémoire, il y a effectivement tout ce qui est la visée fin verte qui est mentionné dedans. Donc, il faut aller regarder plus en détail ces enquêtes et aux ventes des équipements. Enfin, donc, Julien Dieu qui demande si on connaît la part de la ressource actuellement exploitée. La ressource en bois, oui, oui, on peut effectivement savoir quelle est la part de la ressource exploitée. Alors, là, on arrive sur un sujet qui est un peu plus, enfin, qui est pas très simple non plus, qui est le sujet du bilan qu'on pourrait faire sur les ressources utilisées et les usages en matière d'énergie. Donc, je parle toujours d'énergie, donc le bois énergie, donc le bilan sur les ressources. Donc, quels sont les bois qui sont utilisés, les bois forestiers, les bois bocagers, les bois de rebut, donc que ce soit ou des sous-produits industriels, donc que ce soit pour avoir le chauffage en termes d'usage sur le chauffage domestique au bois, mais également le chauffage collectif tertiaire et le chauffage industriel. Donc il y a ce bilan-là qui pourrait être fait, et en allant regarder quelle part de la ressource est prélevée pour une utilisation énergétique, quelle part de la ressource forestière est prélevée pour une utilisation énergétique, quelle part de la ressource bocagère est prélevée pour cet usage-là également. Donc ça, c'est des choses qui sont faisables. Donc, on peut savoir, grosso modo, quelle est la part, effectivement, de la ressource forestière qui est mobilisée pour l'énergie bois. Je ne voudrais pas dire de bêtises là, mais ouais, je ne voudrais pas. Donc, il faudrait que j'aie les chiffres plutôt sous les yeux pour être sûr de ne pas raconter de bêtises. Mais ça, c'est des choses qu'on peut avoir dans les grandes masses. Maintenant, ce qui est plus compliqué à avoir, c'est des données qui sont fiables, enfin, comment dire, qui sont robustes d'un point de vue statistique, parce que notamment pour ce qui est du chauffage domestique au bois, il y a quand même une grosse partie qui ne passe pas par des transactions commerciales ou des transactions commerciales officielles, répertoriées et pour lesquelles on pourrait avoir des volumes concernés qui seraient assez fiables. Donc il y a quand même beaucoup d'auto-approvisionnement, donc des personnes qui exploitent leur propre bois utilisation en circuit court, on va dire. C'est par exemple, j'achète mon bois à l'agriculteur du coin, mais qui ne le fait pas, il n'y a pas de facture associée pour autant, parce que ce n'est pas forcément son activité, mais c'est une pratique qui est quand même très répandue. Et puis enfin, il y a l'autre pratique qui est, j'achète mon bois à un professionnel, donc là, avec facture. Donc là, sur ces professionnels, on peut avoir des données qui sont assez solides a priori, d'autant que les données de consommation de bois renseignées par les particuliers qui répondent aux enquêtes peuvent s'asseoir là sur les factures, sur les stères qui sont mentionnés, donc les volumes qui sont mentionnés, les quantités de bois qui sont mentionnées. Toutes les autres quantités de bois renseignées par les particuliers, ils disent, je consomme, ça va être 6 stères. C'est des chiffres qui comportent une très forte incertitude. Parce que déjà, il faut s'entendre sur ce qu'on appelle ster. Qu'est-ce qu'un ster ? Il y a un volume de bois, concrètement, de bois, pas de vide entre le bois. Quel volume de bois ça représente maintenant ? Et ensuite, l'estimation, est-ce que c'est 6 ? Donc c'est 6, est-ce que c'est plutôt 5 ou plutôt 7 quoi. Donc en fait, c'est quand même des fortes incertitudes qui sont associées à ça. Donc on peut effectivement faire le lien avec la ressource. Dans les grandes masses, c'est fait et ce n'est pas forcément trop difficile. Mais dès qu'on essaye de creuser un petit peu et de préciser les choses, et d'autant qu'il faut regarder après, si on veut faire le lien vraiment avec la ressource, il faut regarder ça, redescendre au niveau du terrain, on va dire. C'est-à-dire que globalement, à l'échelle nationale, les ressources sont là, le bois est là, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Ça n'empêche que localement, il peut effectivement y avoir des questions qui se posent sur l'exploitation de certaines forêts. Enfin, du moins, il peut y avoir des forêts qui sont d'exploitation relativement simple, et donc forcément, des tensions peuvent exister sur les débouchés. Par contre, des forêts qui sont difficilement accessibles, pour lesquelles il y aura relativement peu de bois prélevé, parce que compliqué d'accès, compliqué et donc beaucoup onéreux. Mais toutes ces différences-là, on ne les voit pas quand on raisonne à l'échelle nationale et qu'on raisonne dans les grandes masses des données.
Alors, valeur précise, tonnage granulé par poêle, utilisé dans les poêles. Alors là, c'est pareil, jusqu'à présent, on ne l'avait pas vraiment. On l'avait pas vraiment. On estimait effectivement la quantité. On a la quantité de granulés qui est consommée, enfin produite et consommée en France tous les ans. On a le nombre d'équipements de granulés vendus, donc chaudière ou poêle, vendus. Donc on a grosso modo, si on fait le cumul de tous ces équipements vendus sur ces dernières années, le parc en fonctionnement. Puisqu'on peut imaginer que pour le moment, on peut faire cette hypothèse a priori que les équipements granulés qui ont été installés fonctionnent encore tous. Donc c'est pas trop compliqué pour le moment de se dire il y a tant d'équipements en France au granulé. Pour autant, on n'avait pas de consommation, d'ordre de consommation unitaire, sauf en faisant le ratio de tonnage de granulés consommés en France, tonnage global consommé en France, sur le nombre d'équipements, sachant que les chaudières consomment plus que les poêles. Alors, on peut faire des hypothèses également pour essayer de répartir au mieux entre les deux types d'équipements. Par contre, là, il se trouve que Biomassement réalise actuellement une étude pour le compte de la métropole Rouen-Normandie, avec une enquête auprès des particuliers. Et les consommations de bois, donc même type d'enquête hein, que ce qui peut se faire au niveau national, les consommations de bois donc, sont demandées également, et c'est assez flagrant la quantité de granulés, enfin la pénétration du granulé. Elle est de l'ordre de 16% sur la métropole, en Normandie, ce qui est impressionnant, puisqu'en 2012, on commençait toujours, tout juste au niveau national, à voir des ménages qui répondaient aux questions sur les granulés, qui disaient qu'ils avaient un équipement granulé. Mais d'un point de vue statistique, on ne pouvait pas exploiter plus de données que ça. On ne pouvait pas avoir accès aux consommations par poêle. Et dans le cadre de l'enquête auprès de la métropole, donc ça commence à être plus fiable d'un point de vue statistique et on trouve 1,2 tonnes de granulés par poêle utilisé. Ça semble cohérent avec toutes les hypothèses qui pouvaient être prises avant. Pour au niveau national, donc avec, comme je vous disais, la quantité globale de granulés consommés divisée par le nombre total d'équipements. Donc, a priori, mais là aussi, il faudrait creuser un peu parce que ça nécessite de savoir, même si la variation doit être un peu moindre quand même que pour les bûches, parce que c'est un équipement automatique, mais néanmoins, il faudrait creuser un petit peu pour savoir si cette valeur-là est la même partout. Enfin, partout. Il y a quand même de fortes chances que le climat impacte. L'isolation de la maison aussi, alors on peut dire que c'est peut-être plus installé dans des nouvelles maisons, mais ça reste à vérifier tout ça. Donc 1,2, a priori, ça semble cohérent. Maintenant, il faudrait consolider ce chiffre de tonnes par quoi. Proportion de bûches vendues dans le circuit commercial sur le volume total. Alors là, je peux peut-être rapidement vous donner la réponse. Je cherche. Rapidement, je mets ça, je ne sais pas, non, ça parce que je ne l'ai pas comme ça, je ne voudrais pas vous dire de bêtises, mais j'arrive tout de suite. Désolé, ça prend un peu de temps. J'ouvre le cahier 81. En fait, vous avez la réponse dans le cahier 81, mais je vais quand même essayer de vous la donner là tout de suite. Le circuit professionnel, 22% des volumes de bûches en 2017 qui sont passés par un professionnel, qui ont été achetés auprès d'un professionnel. En 2012, c'était 17%. Donc 22% de bûches achetées à un professionnel en 2017, 17% en 2012. Là aussi, c'est pareil. En fait, entre 2012 et 2017, il y a eu une forte baisse des volumes de bois. Je vais me remettre ici, je vais vous remettre les consommations globales. Voilà. Entre 2012 et 2017, vous voyez quand même une forte chute de la quantité de bûches consommées, de 84 TWh à 59. Le nombre global de bûches qui ont été achetées auprès d'un professionnel a chuté. Enfin, j'étais là, diminué, mais je crois, de mémoire, là, il faudrait regarder aussi, je crois que c'est dans le cahier, c'est mentionné dans le cahier, mais je crois que ça a diminué de 10% entre 2012 et 2017. La part, en fait, des bûches passées auprès d'un professionnel sur le total des bûches consommées
Donc en 2017, c'est 22% contre 17% en 2012. Et le volume total de bûches achetées auprès des professionnels, a priori, a diminué. Alors, a priori, je dis bien parce que c'est de l'enquête, c'est ce que l'enquête laisse supposer. Là aussi, il y a eu des interrogations de la part, notamment du groupe Pouloula, qui lui ne constate pas ça de son côté. Néanmoins, est-ce que ce n'est pas une vision trop partielle peut-être du marché que de regarder même si par importante quand même du marché, que de regarder les volumes simplement sur une société. Donc, ce que je veux dire quand même, c'est que la part, le nombre de bûches, la quantité de bûches passées par un circuit professionnel a diminué en nombre, mais a augmenté en valeur relative entre 2012 et 2017. Par contre, entre 2012 et 2017, il y a eu une part de l'autoconsommation. Donc, comment dire, je produis moi-même mes bûches à partir de mes propres bois. Donc je consomme ces bûches-là. Et cette autoconsommation, en fait, elle a chuté de 40% entre 2012 et 2017. Les quantités de bûches concernées ont chuté de 40%. Alors que celles qui sont passées par un professionnel ont diminué de 10% seulement. Donc, en fin de compte, c'est aussi ça qui explique l'augmentation de la part relative des bûches passées par un circuit professionnel en 2017 par rapport à 2012. Donc voilà. A priori, comment dire, épuiser le stock de questions qui ont été posées. On a aussi épuisé le temps. Je vois, je dépasse le temps. J'espère que ça vous va quand même. Eh bien, écoutez, merci beaucoup à tous. Et puis, comme je vous le disais, rendez-vous au prochain webinaire, le 8 juin prochain, bon, sur l'Observatoire de l'énergie en Normandie, pour avoir un peu plus d'infos sur la région et toutes les énergies renouvelables et autres consommations d'énergie. Je vous souhaite une belle fin de journée et vous dis à bientôt donc, pour un prochain webinaire. Merci beaucoup. Au revoir.